Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Voilà, toujours sur le Bike in Man, j'ai avec moi, alors je m'écarte un peu, hein, il est tellement baraqué, Eric Morino. C'est Denis, c'est bien aussi. Denis, j'ai dit. Ah, pourquoi j'ai dit Eric? C'est pas grave, il y a tellement de concurrents que finalement je me perds. Denis Morino, il vient sur le Bike in Man, il est déjà venu, il est de profession militaire, il a été commando marin. C'est ça. Donc, de l'entraînement, il en faut hein, pour être commando marin. Aujourd'hui, il est prof de natation, enfin toujours à l'armée. Toujours le sport, quoi. Toujours le sport. Et toujours le sport, c'est ça. Aujourd'hui, je suis moniteur en entraînement physique, militaire et sportif. Je m'occupe principalement de l'aguerrissement des équipages qui sont sur les bateaux, la préparation physique, la préparation mentale. Voilà, donc oui, toujours en contact avec le sport, que ce soit le vélo, puisque c'est ma passion, et puis tout le reste, la course à pied, du renforcement musculaire, etc. etc. Justement, le vélo, tu en faisais avant d'être militaire, c'était une passion de bien loin, ou ça a été après à force de faire du sport, et peut-être aussi pour se détendre, parce que des fois vous êtes dans des situations un peu compliquées, on fait du vélo. Alors, je crois que j'ai toujours eu un petit vélo dans la tête, même si j'ai pratiqué beaucoup d'autres sports. Je viens du triathlon, sur distance Ironman. J'ai fait un petit peu le tour de la discipline, les tournants qu'ont pris la discipline avec les prix pratiqués, je ne me reconnaissais plus trop dans la pratique. J'ai fait quelques saisons coursier à vélo, j'ai fait des courses. Pareil, je ne me retrouvais pas nécessairement... dans l'échange, dans le partage, il me manquait quelque chose. Et puis, je me suis tourné vers la longue distance assez naturellement. Donc voilà, l'aventure humaine avant toute chose. Moi, c'est ce qui me plaît dans le vélo. Alors, c'est justement ce que souligne Axel Carion, l'organisateur. C'est que les Bike in Man Origin, puisque ça s'appelle maintenant le Bike in Man Origin. D'ailleurs, tu roules en vélo Origin, on y reviendra. Mais le Bike in Man Origin, c'est avec des valeurs, c'est le partage, c'est l'envie de se retrouver. C'est tout à fait ça. Et je pense que mon approche de l'ultra-distance, alors ultra, c'est un mot que j'aime pas trop, du voyage à vélo. Ultra, pour moi, ça fait déjà beaucoup trop course, même si on est sur une course. Je veux dire par là que je sacrifierai jamais un quart d'heure ou même une heure de plus ou de moins sur un parcours pour un échange, une photo que j'ai envie de faire, discuter avec quelqu'un. Voilà, je vais pas tout sacrifier pour finir une heure avant et puis pas m'intéresser à un gars ou à une personne que j'ai envie de rencontrer et avec qui j'ai envie de parler. Ça, c'est la partie humaine. Ceci dit, il y a un petit challenge. Bon, déjà, c'est d'être finisher. Vous avez un temps imparti, je crois que c'est 120 heures. Mais quand il y a des gens qui te doublent ou toi qui doubles des gens, on a envie d'être le mieux possible, voilà, même s'il n'y a pas compète dans la base, dans l'origine du Bike in Man. Alors, j'ai la chance de bien me connaître physiquement, je pense. Je ne suis pas venu non plus pour jardiner, pour faire du tourisme, hein, qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vais prendre le départ avec un groupe de gens. Je pense que rapidement, je vais savoir où je me situe dans le groupe. Je sais déjà que je ne serai pas premier. Je suis sûr que je ne serai pas dernier. Entre les deux, il y a un gap qui est assez important. Mais voilà, je sais que plaisir, performance, je connais mes qualités physiques et voilà, je sais que je ne mettrai pas 5 jours pour faire 1000 bornes normalement. Et puis oui, évidemment que c'est un challenge, autrement on sort de chez soi, on va rouler. Oui, évidemment qu'il y a un petit challenge et on a tous un petit chrono dans la tête quand même. Du coup, est-ce qu'il y a une préparation spécifique aussi bien au niveau physique, mental, moi je pense qu'il faut beaucoup de mental, tu l'enseignes, plus une préparation des réglages de vélo, il y a des choses différentes? Alors, quand on roule autour de chez soi, même pour s'entraîner? Alors j'ai suivi une préparation extrêmement minutieuse. Non, c'est pas vrai, c'est une sombre vanne. Ma préparation, c'est que je monte sur mon vélo aussi souvent que je peux. Je disais tout à l'heure, je suis aussi heureux de monter sur mon vélo pour aller bosser et faire 10 bornes que après-demain pour le prendre et en faire 1000.
Voilà, je roule. Mais justement, ouais. Tu vas bosser à vélo ? Évidemment. Ah, évidemment. Évidemment. Alors, on ne dit pas où tu habites, évidemment, on ne dit pas où tu es, mais il y a de plus en plus d'ailleurs de gens qui vont bosser à vélo. La moyenne, c'est 5 km, je crois, le matin, 5 km le soir. Toi, tu en fais 10 et 10. Ouais. Le vélo spécificité, c'est un vélo origine. Tu es ambassadeur des vélos origine. Alors, tout à fait. Ambassadeur origine. Et spécificité de mon vélo, donc c'est un hybride, donc un cadre GTR Evo Ultra. Ultra pourquoi ? Parce qu'il a la fourche du Grax et qui me permet donc d'emmener un phare, puisqu'il a le support pour le phare, mon moyeu dynamo et les rivets sur la fourche qui permettent de mettre des bagages de fourche, puisque je crois que j'ai la particularité d'être le seul à emporter des bagages de fourche. Alors j'ai pas vu hein, les contrôles, on est en plein contrôle ici, c'est en train de se faire. C'est pas ton premier Bike in Man. C'est, hein. Mon premier c'est ton premier Bike in Man, ouais. Tu as fait d'autres ultra distances, ouais. Mais c'est ton premier Bike in Man. Comment tu vois hier par exemple, sans tout dévoiler, il y avait une partie de l'équipe, quelques coureurs, on a dîné ensemble. C'est quoi, ça t'étonne cette ambiance ? Pas du tout, parce que c'est ce que j'ai pu rencontrer sur d'autres types d'épreuves. J'ai l'impression, je reviens souvent à l'humain, ça se prend pas trop la tête, ça fait plaisir. Et puis, Axel et sa bande sont sacrément sympas, c'est carré. Je suis surpris, c'est plus ça qui me surprend, c'est le côté très vraiment carré de l'affaire. C'est très carré, c'est une sacrée organisation. Ah ouais, c'est une sacrée organisation, je regardais ce matin quand vous installiez, c'est juste impressionnant quoi. Et puis tout le monde est souriant, tout le monde a la banane, tout le monde parle, voilà, ça s'épie pas du regard comme ça, ça a l'air vraiment super sympa. Alors le Bike in Man, c'est aussi, pour terminer, c'est aussi des beaux paysages, c'est du soleil, là on a de la chance, on est au printemps sur cette belle ville de Faro et tous les paysages, mais c'est aussi à la fin, voilà, on a eu ce challenge et puis c'est aussi un bon moyen de se détendre après. Il y a la petite famille qui vient, qui va te rejoindre, qui vont te suivre évidemment pendant ce Bike in Man, puisqu'on peut suivre l'évolution minute après minute de tous les concurrents. Et donc après, petite détente avec toute la petite famille qui vient te rejoindre, petite détente dans le secteur. C'est tout à fait ça. On parlait tout à l'heure de l'aventure, du challenge, etc. Dans la préparation mentale, pardon, on appelle ça la projection mentale de la réussite, c'est-à-dire se donner sur 1000 bornes des objectifs atteignables, donc le CP1, le CP2, au milieu qui pleuve, qui vente ou qui neige, peu importe, de toute façon il faudra faire avec. Par contre, le fait de savoir que madame et la petite seront là à partir de mercredi pour m'attendre, là c'est quelque chose d'extrêmement motivant, et puis derrière de finir la semaine en vacances ici, ça va vraiment être génial, ouais. Voilà, ça fait partie de la préparation mentale ou de l'aide mentale. Tout à fait. En tout cas toi, le mental tu l'as forcément de ton métier, et ça va, parce que je pense qu'effectivement il faut être prêt physiquement sur une ultra distance, mais c'est le mental après qui finit, hein. Donc pas de conseils, mais soyez bien prêts mentalement tous. Ouais, être bien prêt mentalement. J'ai coutume de dire dans le cadre de mon travail, quand la tête veut, le corps peut. Et c'est vraiment ça. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'arriver en n'ayant strictement rien fait. Mais au bout d'un moment, le corps sera fatigué pour tout le monde, du premier au dernier, du vainqueur au dernier en 5 jours. Et c'est la tête qui prendra le dessus. Complètement. Bon ben voilà, on croise les doigts, hein. Il n'y a pas de souhait, d'encouragement, de tout ce qu'on veut qui Merci pourrait beaucoup. Porter malheur ou bonheur. On croise les doigts. Merci d'être venu un petit peu dire ton état d'esprit sur cette randonnée vélo qui n'a de nom que randonnée que de nom, hein, oui, parce qu'il faut y aller, il faut belle quand rando. Même payer. Et c'est une belle rando, hein. C'est pas une rando qu'on fait tous les matins. En sortant de ses choix, c'est difficile à dire, de chez soi. Merci. Oui. Radio Cyclo. La radio 100% vélo.